Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini haul. Voilà, j'ai deux ouvrages à vous présenter que j'ai commandé chez Amazon. Et j'ai reçu... Alors ça, je vais vous montrer en dernier. C'est un stylo que j'attendais depuis longtemps. Un stylo pour faire le diamond painting. Vous savez, le stylo foré transparent. Oh, je l'ai oublié là-bas. Bon, c'est pas grave, vous allez voir à la fin, restez jusqu'au bout, je vais vous montrer, je ne sais pas du tout de quelle couleur il est ni rien, mais bon, je vous montre tout ça à la fin. Donc j'ai fait quelques petits achats sur Amazon, deux ouvrages, voilà, ça va pas être long. Le premier, j'ai commandé celui-ci, les animaux sauvages, c'est 60 coloriages géométriques. Alors vous savez que j'avais les chats, et donc comme ça m'a super bien plu, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, donc ce sont les animaux comme ceci, sauvages, voilà, à colorier. Donc vous savez que c'est des dessins géométriques, comme ça, vous voyez. Alors je vais vous montrer le chat, il est ici. Je vais quand même vous le montrer, le chat que j'ai fait, donc c'était dans cet ouvrage-ci. Et j'avais fait, voilà, celui-là. Voilà. Donc je trouve que ça rend super bien. Il a été fait au Staedtler et au Staedtler et au Faber-Castell Pitt. Voilà. Donc comme ça m'avait bien plu, du coup j'ai commandé les animaux sauvages. Et il me semble qu'il y a un autre, c'est sur les oiseaux, il me semble, mais je ne l'ai pas commandé du coup. Donc j'ai trop hâte. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, alors ça c'est pour faire des masques en fait, parce que vous pouvez faire des masques aussi à la fin, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas trop, vous voyez, vous pouvez faire des masques comme ça, mais moi c'est plus, voilà. Donc je vous montre un petit peu les solutions, voilà, vous voyez, ensuite on a ça. Alors, je vais peut-être vous baisser un petit peu parce que voir ma tête c'est pas trop intéressant. Voilà, là ça sera mieux. Voilà, je vous montre un petit peu les solutions qu'il y a. Et ben voilà, vous voyez. Donc après on a ça. Et puis après, donc on démarre sur les colos. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Donc ceux-là, ils sont au prix de, il me semble, 6,90 €, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et deuxième ouvrage que je voulais depuis un petit moment, c'était celui-là, Forêt du Monde, donc son coloriage mystère, voilà. Ça faisait un petit moment que je l'avais mis dans mon panier, puis j'hésitais. Et j'ai vu pas mal d'avis positifs sur cet ouvrage. Alors, il est super bien fait, vous voyez. Les dessins sont super bien imprimés. C'est par contre, c'est super minutieux. Hein, quand vous voyez les dessins. Voilà, c'est vraiment très petit, vous voyez celui-là. On a les légendes en bas. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Par contre, il faut avoir un grand choix de couleurs vertes. Parce que, voilà, hein, ce sont quand même Forêt du Monde. Donc, le titre parle de lui-même. Hein. Il y a beaucoup de verts, beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles. Donc, il faut avoir quand même un bon panel de choix de couleurs vertes. Donc, il me tarde trop de le commencer, celui-là. Donc, je vais le mettre sur la pile du haut. Alors, je vais vous montrer quand même les solutions qu'il y a. Alors, il y a pas mal de pages. Hein. Alors, c'est parti. On y va. Donc, moi, je vous montre grossièrement puisque, comme vous savez... je ne regarde pas les solutions. Alors je ne sais pas trop hein, comment voilà l'endroit, l'envers. Vous voyez un petit peu. Voilà, là vous voyez, vous en avez des comme ça. Là vous en avez des comme ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de verre hein, quand même. Hein. Très rapidement. Voyez. Donc voilà pour cet ouvrage là. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ah oui, il y a des nouveautés dans la même collection. Alors dans la même collection, nous avons ceci. Voilà, des carrés magiques. Alors ceux-là, je les ai jamais vus. Et ici, on a ça, c'est les chats mystères. Voilà, voyez. Et ceux-là, les carrés magiques, je ne les connaissais pas.
Donc, il y en a un, c'est sur les lamas et l'autre, ça doit être sur les paons. Voyez, les paons et les lamas. Donc, voilà, celui-là, il est au prix de 12,90 €. Donc, il me tarde trop de le commencer, celui-là. J'ai vraiment trop, trop hâte. Donc, ça va être un de mes prochains colos, ainsi que dans les animaux sauvages géométriques. Donc, voilà pour mes petits achats Amazon. Et on termine par... Donc, j'ai commandé sur le site AliExpress le vendeur Moon Zero. Vous savez que j'avais commandé un stylo. Alors, je ne l'ai pas pris avec moi. Il est resté dans la salle à manger. Je ne vais pas retourner le chercher parce que faut que je rouvre la porte et ça m'embête de retourner là-bas. Vous savez que j'avais commandé, pour celles qui me suivent sur le Diamond Painting, un crayon forêt. Ce sont des crayons qui sont fabriqués, je pense, à la main. Ils sont tournés et à l'intérieur, vous avez des... Alors, par contre, j'avais commandé un grand. Là, ils m'ont mis un petit. J'avais commandé un grand, il m'avait semblé, mais enfin bon. Alors, donc, ça se présente dans une boîte comme ça. Alors, il m'avait semblé que j'avais commandé un grand. Là, c'est un petit. Alors, ouais. Alors, ils vous mettent un petit pad de colle. Voilà, comme ça. Je m'en suis servie de l'autre. Vous avez des petits embouts comme ça, avec un petit pad de colle aussi. Donc, vous voyez, c'est présenté comme ça. Donc, vous avez un 14-15 cm et vous avez le 17 et 19 cm. Alors, je pensais avoir pris le grand. Et non, j'ai pris un petit. Je ne sais pas du tout la couleur. Donc, alors, il faut que j'arrive à le sortir. Ouais. Alors, je suis un peu déçue. Voilà, je suis déçue. Parce que pour le prix, pour 22,71 €, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Alors, je vais mettre pause, je vais aller vous chercher l'autre quand même. Alors, voilà celui que j'avais reçu. Donc, celui-là, c'est le 17-19 cm, comme ils appellent. Donc vous avez un embout comme ceci et un double embout. Vous voyez, voilà. Vous voyez, celui-ci, il est magnifique. Je l'ai payé 25,71 €. Celui-là, je l'avais choisi. J'avais choisi une couleur violette comme ça. Vous voyez qu'il est tout travaillé et tout. Donc je me suis dit, je vais en recommander un deuxième. Mais je ne voulais pas choisir la couleur. Je m'étais dit, hop, je pars au hasard. J'ai commandé sans photo, sans rien. Puisque celui-ci, le vendeur m'avait envoyé les photos et j'avais choisi. Donc là, j'en ai commandé un autre, mais voilà, je suis super déçue. Voilà comment il se présente. Alors, peut-être qu'il va être bien hein, quand même à, pour faire le diamond painting, mais je trouve que voilà, pour 22 €, non, je suis pas contente. Donc, je vais peut-être laisser un commentaire. Voilà, je trouve qu'il n'est pas travaillé du tout. Il y a un petit peu de rouge à l'intérieur. Il y a comme des espèces de petites paillettes, vous voyez. Mais non, je ne trouve pas beau du tout. Pour 22 €, je suis super déçue. Donc, je vais envoyer une note au vendeur. Et voilà. En plus, j'avais voulu en commander. Je lui ai repassé une commande d'un crayon comme ça. Il ne me répond pas. Donc, bon, je... Ouais, celui-là, je suis super contente. Je ne fais que de m'en servir, celui-là. On a vraiment une très très bonne prise en main. Ils sont bien lourds et tout. Mais ouais, celui-là, non, je suis pas du tout fan. 17 cm, je suis pas sûre. Hein. Attendez, je vais prendre ma règle. Non, 14 cm celui-là, normalement. Ouais, il fait 10 cm. Donc, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu ces stylos-là, vous allez sur AliExpress. Vous allez sur AliExpress. Dans votre barre de recherche, vous tapez Moon Zero Official Store. Et vous descendez après sur, sur la page et vous allez tomber sur, c'est marqué stylo pen forêt. Donc là, vous cliquez dessus. Vous n'aurez pas de photo, vous n'aurez rien. Il faut contacter le vendeur si vous voulez acheter un stylo.
ou à, pour avoir des photos. Si vous voulez acheter un stylo au hasard comme moi, vous cliquez sur acheter et il va vous envoyer un stylo. Vous avez juste à noter la grandeur que vous voulez. Donc il y a 14, 15 cm ou 17, 19 cm. Alors là, je suis super déçue. Celui-là, il fait 16. Hein, vous voyez, il ne fait même pas 17 cm. Quoi. Bon, celui-là est joli. Hein, celui-là, je suis super contente. Bon, celui-là, rikiki, machin truc. Bon, je vais m'en servir quand même. Hein, c'est pas ça, mais je vais quand même lui dire que je suis pas du tout contente de mon stylo. Donc voilà. C'était pour ce petit mini rikiki haul pour aujourd'hui. Alors il m'a mis ça, je sais pas ce que c'est. C'est une roulette. Alors je suppose que ça se met à la place de l'embout. Vous voyez, ça doit se mettre comme ça. C'est une roulette. Alors je ne sais pas. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, dites-le moi. Autrement, on a des embouts. Alors pour mettre 6 perles. Ici, ça doit être 9. Et j'ai un autre embout. Celui-ci. Ah, et ça pour mettre 2. Et celui-là, je ne sais pas. Donc je vais essayer. Voilà. Voilà, vous avez cet embout-là qui est peut-être pas mal aussi. Je sais pas. Je vais tester puis je vous dirai ce que j'en pense. Vous voyez, faire vos... C'est peut-être pas mal. Je sais pas, je vais tester, je vais essayer. Mais voilà, je suis moyennement satisfaite. Donc voilà, je vais quand même lui envoyer une petite note. Je vais dire que je suis un peu déçue parce que par rapport au prix, je trouve quand même 22 € pour ça. Ça, oui, ça, ok, je suis d'accord. Mais ça, alors faites attention les filles. Si vous commandez un stylet comme ça foré, choisissez, demandez au vendeur de vous envoyer les photos des stylets qu'il a. Il va vous mettre des numéros et vous dites que vous voulez tel numéro et il va vous l'envoyer. Ne commandez pas comme ça au hasard comme moi. J'ai mis dans mon panier un stylo foré. Je me suis dit, ça sera la surprise. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je suis quand même contente de mes achats Amazon. Voilà, c'était un tout petit haul mini rikiki aujourd'hui. Donc, ben voilà, c'en est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.